Aujourd'hui, ce sont 2 plus 3 plus 10 conseils essentiels pour créer une chaîne YouTube à succès sans montrer son visage. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner un maximum de conseils pour gagner 1 000 € par mois sur YouTube sans montrer son visage. Oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage pour gagner de l'argent sur YouTube. Il existe des méthodes simples et efficaces que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour créer et monétiser votre chaîne YouTube. Alors, restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir des astuces et des secrets que peu de gens connaissent pour réussir sur YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Nanou ou Lady Vidéo, comme vous voulez, et je suis une experte en vidéo YouTube sans montrer son visage. En particulier en utilisant PowerPoint pour créer toutes sortes de vidéos. C'est avec Jérémy que j'ai le plus appris sur les bonnes pratiques pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne. Depuis que j'applique ce que j'ai appris, l'augmentation de mon audience a explosé. Mais avant, voyons ensemble mes 2 premiers conseils. La première façon de faire, c'est l'affiliation. L'affiliation consiste à recommander un produit ou un service à votre audience et de toucher une commission à chaque fois qu'une personne achète le produit ou le service via votre lien d'affilié. Par exemple, si vous recommandez un produit qui coûte 100 € et que vous touchez 50% de commission, vous gagnerez 50 € à chaque vente. L'avantage de l'affiliation, c'est que vous n'avez pas besoin de créer le produit ou le service, ni de vous occuper du marketing, du service client, pas même de la livraison. Vous êtes juste un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et vous touchez une partie du gâteau. Il y a 2 façons principales de faire de l'affiliation sur YouTube. La première est de choisir un produit ou un service en rapport avec votre thématique et de le présenter dans vos vidéos. Par exemple, si vous avez une chaîne sur le développement personnel, vous pouvez recommander des livres, des formations, des applications, etc. qui peuvent aider votre audience à s'améliorer. Vous pouvez créer des revues, des tutoriels, des comparatifs, etc. pour montrer les avantages et les inconvénients du produit ou du service. Et à chaque fois, vous devez mettre votre lien d'affilié dans la description de votre vidéo en ajoutant un appel à l'action pour inciter les gens à cliquer dessus et à acheter le produit ou le service. Et ainsi, vous toucherez une commission. Le plus dur est de faire le choix. Mais vous pouvez faire d'une façon différente, la seconde, qui est de commencer par choisir le produit ou le service avant de commencer à créer votre chaîne YouTube. Et seulement ensuite, créer des vidéos en fonction de ce produit ou service que vous avez choisi. Par exemple, si vous voulez faire de l'affiliation avec une formation pour apprendre à monter son business en ligne, vous pouvez créer une chaîne YouTube dans laquelle il va y avoir les vidéos sur les sujets liés à l'entrepreneuriat et au marketing, à la vente, etc. Vous pouvez donner des conseils, des astuces, des témoignages, etc. pour attirer les personnes intéressées par ce sujet. Et à chaque fois, vous mettez votre lien d'affilié dans la description de votre vidéo. Vous faites un appel à l'action pour inciter les gens à cliquer dessus et à acheter le produit ou le service. Et bingo, nouvelle commission qui tombe. Mais voici maintenant 3 conseils pour réussir en affiliation sur YouTube. J'aimerais vous donner beaucoup plus de conseils, mais ils sont si nombreux, ce serait trop long. Je vais donc vous donner les 3 que je trouve essentiels. Premièrement, choisissez un produit ou un service de qualité qui apporte de la valeur à votre audience et qui a un bon taux de conversion. Vous ne devez pas recommander un produit ou un service qui est mauvais, qui ne satisfait pas les besoins ou les attentes de votre audience et qui ne se vend pas bien en plus. Vous risquez de perdre la confiance de votre audience et de ne pas gagner beaucoup d'argent, bien sûr. Faites des recherches, testez le produit ou le service et assurez-vous qu'il est adapté à votre thématique et à votre audience. Deuxièmement, soyez honnête et transparent avec votre audience. Ne faites pas de fausses promesses. Ne cachez pas le fait que vous êtes affilié et ne forcez pas la vente.
Expliquez clairement les avantages et les inconvénients du produit ou du service. Donnez votre avis personnel et dites que vous touchez une commission. Les gens qui achètent via votre lien seront plus confiants et cela renforcera votre crédibilité, votre relation avec eux. Vous pourrez plus facilement les inciter par la suite à acheter un autre produit ou service. Troisièmement, soyez patient et persévérant. L'affiliation n'est pas une méthode miracle pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Comme toute activité, il faut du temps, du travail et de la régularité pour créer du contenu de qualité, attirer du trafic et générer des ventes. Ne vous découragez pas si vous voyez que les résultats tardent à arriver. Continuez à publier des vidéos, à analyser vos statistiques et à améliorer votre stratégie en fonction de ce que vous avez pu découvrir. L'affiliation est une source de revenus passive et récurrente qui peut vous apporter de l'argent pendant des mois, voire des années après avoir publié votre vidéo. Alors n'hésitez pas. Maintenant, il faut optimiser votre chaîne et vos vidéos pour le référencement. C'est une étape cruciale. Qu'est-ce que le référencement ? C'est le fait d'améliorer le positionnement de votre chaîne et de vos vidéos dans les résultats de recherche de YouTube. Sans ce travail permanent, YouTube ne vous rémunérera pas. Il faut sélectionner des mots-clés pertinents par rapport au contenu de vos vidéos et de votre chaîne. Utilisez les outils comme Google Keyword Planner ou Google YouTube Analytics pour identifier les requêtes les plus recherchées par votre audience. Soignez le titre de vos vidéos. Il faut être accrocheur, clair et contenir vos mots-clés principaux dans le titre et aussi dans la description. Essayez de limiter la longueur du titre à 60 caractères maximum. Créez une jolie miniature. C'est la première chose que les internautes voient avant de cliquer sur votre vidéo. Elle doit être attrayante, cohérente avec votre contenu et respecter les règles de YouTube. Optimisez la rédaction de la description. Elle doit donner envie de regarder votre vidéo tout en fournissant des informations utiles et des mots-clés secondaires. Vous pouvez aussi y ajouter des liens vers vos autres vidéos, votre site web ou vos réseaux sociaux. Ajoutez des tags, mots-clés qui permettent à YouTube de comprendre le sujet de votre vidéo et de la proposer aux utilisateurs intéressés par le sujet. Choisissez les tags pertinents, spécifiques et populaires. Intégrez des appels à l'action afin d'engager votre audience et à la fidéliser. Vous pouvez par exemple leur demander de s'abonner à votre chaîne, de liker ou de commenter votre vidéo, ou de cliquer sur un lien, tout simplement. Gérez correctement les abonnements, les likes et les commentaires. Ce sont des indicateurs de l'engagement de votre audience qui influencent le référencement de votre vidéo. Répondez aux commentaires, remerciez vos abonnés et encouragez les interactions. Ajoutez des sous-titres, ils permettent d'améliorer l'accessibilité de votre vidéo, mais aussi de la rendre plus visible pour les utilisateurs qui parlent une autre langue ou qui utilisent la recherche vocale. Vous pouvez créer vos propres sous-titres ou utiliser l'outil de sous-titrage automatique de YouTube. Adaptez la durée de votre vidéo aux attentes de votre audience. Il n'y a pas de règle universelle, mais il faut trouver le juste équilibre entre la qualité et la quantité. Une vidéo trop courte peut sembler incomplète, tandis qu'une vidéo trop longue peut lasser les spectateurs. Mettez en avant la valeur ajoutée de votre vidéo. Expliquez clairement ce que votre vidéo apporte à votre audience. Quel est son objectif? Quel problème elle résout? Ou quel besoin elle satisfait? Montrez votre expertise, votre originalité ou votre humour, ou les deux. Pour vous aider et bien commencer votre chaîne YouTube, vous pouvez recevoir un cours offert sur 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 euros par mois. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, mon lien d'affilié. N'hésitez pas à me poser vos questions, cliquez sur le pouce, vous abonnez et partagez avec vos amis si cette vidéo vous a plu. À très vite dans une prochaine vidéo.